Nous jeudi à mardi 12 décembre 2017. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la cap pour nous capable pour deuxième sortie téléjournal là pour semaine ainsi là. Président République la Jovenel Moïse Chita Palais hier lundi à Tokay Français Emmanuel Macron dans Palais Élysée pays la France sous relation entre deux pays dans cadre tournée chef l'État fait sous continent européen. Ministère éducation nationale avec formation professionnelle présenté documents pour expérience pilote nouveau curriculum préscolaire. Ministre travaux publics transport communication Fritz Kayo présenté travail ministère l'a dirigé dans pays particulièrement dans cadre des caravane changement dans occasion 27e conférence le lundi de la presse qui était déroulée hier lundi. Et à l'échelle internationale, nous parlons d'un pays, la France, pour nous faire connaître le président français Emmanuel Macron, l'ouvrit jeudi 20 juin dans le pays, la France, sommet sous climat, dans l'idée pour célébrer le deuxième anniversaire accord Paris sous climat. Principal absent dans le sommet, ça, c'est le président américain Donald Trump à cause des désengagement pays les États-Unis dans la COP 21. Ensemble, pour savoir quand il y a un pour faire essentiel, la deuxième sortie journal pour la semaine, ça, n'a pas invité à arrêter de brancher chez nous, n'a pas tenu un petit moment pour ne pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas démarré avec information. Je viens de annoncer les différents titres pour nous faire connaître président République la Jovenel Moïse rencontré président français Emmanuel Macron lundi 11 décembre dans le palais Élysée dans le pays la France. Discussion a été centrée sur relation qui gagne entre deux pays saillants dans différents domaines tant que éducation, infrastructure, investissement et puis question moyens pour capable combattre réchauffement climatique dans le pays. Sabine Joëtienne avec Jonaël Duvernay, c'est envoyé spécial, on n'a pas envie de suivre. Dans le palais Élysée, pays la France, président Emmanuel Macron recevoir président Jovenel Moïse pour discuter sur la meilleure façon de renforcer les liens amitiés entre deux pays. Emmanuel Macron n'a pas caché sentiment devant GFOR, chef l'État haïtien, a fait dans différents niveaux pour faire Haïti avancer sur le plan social et économique. Ce premier entretien nous a permis de saluer la qualité des relations franco-haïtiennes et d'exprimer notre volonté commune d'œuvrer en faveur du changement indispensable au redressement de son pays et à l'amélioration des conditions de vie de sa population. Je veux ici saluer le travail très important qui est conduit par le président pour la lutte contre la corruption, le renforcement de l'état de droit et lui dire tout le soutien de la France dans ce contexte. Je me félicite que dans les prochains jours, un accord de siège avec Expertise France puisse être finalisé, qui permettra d'œuvrer en la matière, ainsi que les initiatives bilatérales qui ont pu être prises en termes de formation de la fonction publique et de la haute fonction publique haïtienne, ce qui est un élément important de la structuration de l'état de droit. Notre souhait est aussi de pouvoir consolider l'aide internationale pour ce qui est de la France et consolider aussi la part des investissements français en Haïti. Haïti fait partie des pays prioritaires de notre coopération et nous accordons une grande importance à la relation bilatérale dans ce cadre. Je pense que tout le travail, là aussi, de lien avec les bailleurs internationaux que conduit le président est extrêmement structurant en la matière, comme les discussions qui ont été entamées avec le Fonds monétaire international et les réformes ambitieuses pour donner un cadre aux investissements étrangers. Et une visite qui semblait un avantage à Haïti, si toutefois le président français a respecté tout engagement qu'il prend pour financer une série de secteurs importants en Haïti, parmi eux éducation, à question des règlements climatiques, là, qui a discuté mardi 12 décembre dans le sommet mondial sur action financière concrète qui doit poser pour aider les pays à faire face à conséquences du réchauffement climatique. Là. La France, par le truchement de l'Agence française de développement, s'est concentrée sur trois secteurs prioritaires: l'éducation, la bonne gouvernance et la lutte contre les effets du changement climatique. En matière d'éducation, le plan d'action établi en 2015 sera intégralement exécuté, avec 50 millions d'euros annoncés. Et en matière de changement climatique, le travail conduit depuis deux ans a permis d'aboutir au fonds vert, justement un projet d'adaptation et de gestion des bassins versants pour 30 millions de dollars. Et Haïti pourrait devenir à ce titre l'un des premiers, si ce n'est le premier pays, à obtenir un projet d'adaptation dans le cadre de ce fonds vert. Nous sommes convenus d'accélérer en la matière le travail pour, en termes de travaux publics, en termes d'électrification,
accélérer la coopération bilatérale qui permettra là aussi d'arriver à la réalisation de projets concrets. En plus échange commercial, pays d'Haïti doit développer plus avec la France. Président Jovenel Moïse promet, dans le moment Haïti a présidé marché commun Caraïbes en 2018, les pral encourager l'autre pays dans la région à appliquer un plan d'adaptation économique et environnementale pour combattre la question du réchauffement climatique. Là. Haïti soutient fortement cette initiative et entend au cours de sa présidence tournante de la CARICOM de janvier à juin 2018 œuvrer pour l'adoption de mécanismes sous-régionaux pour permettre aux États insulaires de mieux adapter leur économie, leur environnement aux effets du changement climatique. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de la Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que la Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Rencontre bilatérale, ça, c'est le premier point fort, visite président républicain Jovenel Moïse, dans le cadre premier journée de travail dans le pays de la France. À côté événement One Planet Summit, là, visite ça centré tout sur opportunité, investissement pour Haïti. Voilà, information à poursuivre sur Télévision nationale d'Haïti. Ministère de Communication recevra lundi 11 décembre le ministère de Transport, Travaux publics et Communication Fritz Kayo dans la 27e conférence le lundi de la presse. Dans l'occasion, le ministre Fritz Kayo parlait sur réalisation MTPTC, surtout dans sa qui vient pour implication dans le cadre des caravanes de changement. On a invité à suivre une bouteille d'intervention ministre qui est un ami Rachel Sefoak, Laurent Dali Jean-Jacques. Grand pile de travaux que nous commençons presque dans tout le pays. Si nous prenons par exemple au niveau du département de la Grandance, dans le département de la Grandance, nous constatons au niveau de Cafouza-Boka, Pestel, il y a des travaux de réhabilitation que nous commençons sous tout AXA. Et de même, au niveau de Cafouchal vers Corail, il y a un pile de travaux de terrassement, il y a un pile de travaux d'ouverture de la route que nous avons fait. Élargissement de la route que nous avons fait. Et au niveau des IOA, si nous avons constaté, sous partie énergétique, là, il y a trois axes. Un axe que nous avons dit un système hors réseau, il y a un système mini-réseau et il y a un système réseau à lui-même. Le département du Sud, c'est côté que les caravanes les plus chitales font pile travail. Par exemple, et de l'aine commencé travaux, nous commençons avec revêtement 27 juillet 2017. Nous commençons dans rue que les roues d'ouverture qui sont censées perpendiculaires avec sa rue des deuxième grand rue, les rue Stigno Vincent. En termes de revêtement, nous faisons environ mieux que 25 km de route revêtue. Nous faisons, dans le niveau du département du Sud-là, environ 123 km de route en termes de reprofilage et de rechargement. Nous gagnons 5 649 mètres linéaires de route que nous avons fait. Ça veut dire 5,6 km. Dans 5,6 km-là, nous gagnons 2 km en béton hydraulique et puis nous gagnons 3 649 mètres linéaires, ça va 3,6 km. Nous avons fait en béton bitumineux. L'aime du béton bitumineux, c'est ça que fait asphalte là, en asphalte là. Donc, nous gagnons route Simon. Route Simon, c'est route MEBSH là, que nous avons passé là dans l'aime sous-ticance. Et l'Igalagame sur route nationale numéro 2 au niveau de côté nos commissariats avant de rentrer sur route nationale numéro 2 à l'Engraversie Rivière. Actuellement, moi, pour ma fait des interventions là-dedans et m'a intervenu sur 8 km. Sur 8 km là, déjà, moi, j'ai préparé environ 1,6 km. Je commence à mettre revêtement la donne parce que forme de zones ça, toutes les zones côté où nous mettons béton hydraulique, ce sont des zones inondables, côté de l'eau, pas de problème, nous ne pouvons pas mettre bébé. Parce que automatiquement, bébé, même pas de pression constatée, l'un fait une mise en place bébé, automatiquement là, puis tomber. Si ce sont des zones qui sont inondables, l'eau est censée emporter tout bébé. Donc, zones ça, sont zones à faire et en béton hydraulique. Même j'en ouais dans Campéré. Campéré l'aime sorti dans zone ouest à côté ouest CNE, gien baïlia et gien usine gravel là avec usine asphalte là. Ou après toute partie ça me fait en béton hydraulique parce que son zone qui est extrêmement inondable.
N'a pas toujours été dans le même dossier. Si là, pour nous faire connaître le ministère des Travaux publics et Transports, Communication, Fritz et Kayo, mettez accent tout sur divers travaux qui déjà réalisés dans plusieurs zones dans le département de l'Ouest. Le ministre qui t'a parlé dans le cadre de la 27e conférence de lundi de la presse promet le ministère après le finaliser en pile dans le travail ça avant l'année finie. Une façon pour permettre la machine si qu'il est plus bien dans la zone ça. On a pas envie de suivre un extrait toujours dans le micro collaboratrice. L'Ouest, les moyens dans l'Ouest, nous avons gardé ça où il est échangé que nous avons les viaducs de la marine haïtienne. Et son projet a commencé depuis environ 2014. À date, c'est fait environ 3 ans. Et moi-même, les montées là, son projet qui était censé au point mort, nous censé réactiver le projet. Donc, nous avons gardé les viaducs ça. Et nous avons porté de environ 32,50 m par 14,50 m. Et mon qui fait route Kafou, ou a gardé viaduc là, on commencé avec lui. Avant 20 décembre, m'a gardé un coulé béton sous plateforme nous en l'air pont en bas pont pour nous passer. Mais c'est vraiment un vrai viaduc si n'a gardé lui avec plusieurs embranchements et la donne n'a avancé et au contraire nous gagnons de plaques de béton préfabriquées parce que qui censé sous frontière depuis environ 2 ou 3 jours que entreprise relève me dit me bloquer donc moi relève ministre finance moi relève directeur général du ministère des finances pour me dire ce projet ça a son projet prioritaire lié au gouvernement rapidement pour débloquer pour nous commencer à mettre des plaques en béton pour nous faire rampe. Bon là ça début octobre nous levons matin et puis nous regardons nous yo population là me dit même dit population peut-être c'est des monde qui sont très loin dans zone là yo coupé 6 dalots. Yo coupé 6 dalots, yo mettez pouvoir dans situation non seulement faut reprendre dalots, faut reprendre chaussée, son exigence que yo faut. À date nous déjà fait 5 dalots. Et moi reprendre environ 700 mètres linéaires de route, pas oublier route ça largeur son route de environ 11 mètres de large lié. Donc il y a 700 mètres par 11 ou en termes de surface ça représente. C'est comme si me gagnais deux routes, là me dit me 700 mètres là c'est comme si me gagnais 1.4 km parce que route nationale regardez là c'est 3 m 52 chaque côté qui bon 7 mètres. Donc route ça moi reprendre ni on monde qu'on y a pral kafou nous t'app suivre ça depuis octobre jusqu'à mois de décembre nous remarquer route kafou est impraticable. Son route qui était presque tout 4 départements dans le grand sud là tu as un pile problème on monde qui saute dans le sud on monde qui saute Kafou pour entrer pour Port-au-Prince ou là n'importe pour 3 heures de temps 4 heures de temps. À date moi déjà fait environ près de 520 mètres qui commençait depuis dans zone Fédem Guillaume dans la première avenue donc on voit que me river dans en plastique là en plastique c'est route ouais tire rentrer cal sortir dans bicentenaire la permet un au monde aux heures de pointe qui sont Kafou de pour prendre axe dans bicentenaire ou capable virer dans plastique là ou faire première avenue ou monter par la lettre ou aller entre-temps m'a avancé mobiliser sérieusement là donc sous partie qui bord de 4e avenue à plastique là il cap permettre au monde qui sont Kafou ou cap passer par exemple dans zone Flambert ou pas et ou passer dans Matisse 123 Fontamara ou passer Matisse 101 et puis la go ou sont 4e 5e ou tomber dans 4e et pour descendre le ça ou pas gros problème monde qui sont Kafou capable faire avec ça c'est sous ça m'a broumé là pour me permettre pour m'assurer mon yo avant la fin du mois de décembre 25 26 décembre arriver juste bon Sénégal là m'a fini. Voilà, tu as suivi un bout d'intervention ingénieur Fritz Kayo qui s'est ministre des Travaux publics, Transports et Communication. N'a pas quitté Régis ça, nous parler qu'on y a dans Régis éducation pour nous faire connaître ministère éducation nationale avec formation professionnelle lancé hier lundi officiellement un document pour expérience pilote nouveau curriculum préscolaire. D'après spécialistes, c'est un programme qui a étudié depuis l'année 2014, programme ça visé des timones préscolaires qui plus besoin d'encadrement et attention surtout dans l'apprentissage. C'est BID qui finance le projet. Marie-Jolie et Hervé Pierre présentent un compte rendu à nous suivre.
Nouveau curriculum ça pour éducation préscolaire là pral permettre que les gardiens travaillent plus bien d'après responsable ministère éducation nationale yo travail ça fait dans souci pour aider l'école préscolaire yo pour yo fonctionner suivant yo même programme expérience pilote ça pral aider que les gardiens gagne un outil légal pour yo travail d'après directeur formation et perfectionnement Wood Fleurant. Il en faut en ce sens de la formation pour les enseignants de ce niveau d'enseignement. Et ce curriculum vient donc à point nommé. À point nommé, dis-je, puisque le ministère vient à peine de se doter de deux documents. Le document d'orientation de la politique de formation des enseignants et des personnels d'encadrement et du plan de mise en œuvre de cette politique. Deux documents qui, dès cette semaine, précisément les 13 et 14 décembre, vont être soumis à la validation par les cadres techniques du ministère et acteurs concernés par les causes de l'éducation, à savoir les syndicats, partenaires techniques et financiers, réseau privé de l'éducation, etc. Ministre éducation nationale là Pierre-José Agenor Kader expliqué nouveau curriculum ça c'est une base légale en développement qui pourrait faciliter instituteur yo suivant l'autre démarche dans processus apprentissage là. Donc nous pas continuer à faire l'école même j'en qu'on fait depuis longtemps, jodi a faut que on la fait autrement. Et surtout là nous dit timoun piti, eh bien j'aime ça dit l'aller là, timoun piti ali même c'est lui base société a, même j'en ont dit dans discours si on font caille chamotte à plusieurs étages là-dedans, depuis en bas, pas bon, qu'elle a cadeau n'importe là. Donc je dis, c'est le sens à nous prendre. On nous commence par Timoun Pitio, par un bon genre d'éducation pour nous garder un bon genre de société demain. Les élèves qui sortent dans plusieurs écoles, te profitent par les sous-responsabilités l'État gain envers eux. Dans l'occasion, 600 écoles te recevoir matériel travaillant parmi eux, kindergarten Clair de Lune, Port-au-Prince, Choukounette, République États-Unis, Guillaume Maniga. Merci Marie-Jolie. Sénateur Fresnel Denius a prononcé ce dossier mandat 10 sénateurs qui t'a loué rive en boutli d'après sénateur il est nécessaire pour joindre une entente sous question ça en façon pour capable harmoniser temps électoral la constitution. Un extrait micro Fredner confident qui a Moïse Bridge qui était sous place. Gagné deux propositions et que l'Assemblée des sénateurs t'ai fait par rapport à question ça. Et normalement, la Constitution dit que le sénateur est élu pour 6 ans. Mais nous, si nous appliquons 6 ans sur tout sénateur, eh bien, et Bral a gagné un désordre. Et la question, ça, la Constitution dit sur le Sénat, sur une nouvelle partie, tous les 2 ans. Et Bral a gagné deux mondes, soit qui Bral a gagné un mandat en plus, et gagné qui a perdu le mandat. Yo. Donc, le consensus qui était dégagé dans l'Assemblée sénateur, c'est que. Et sénateur, deux sénateurs qui étaient élus en 2016, le premier a été élu pour 6 ans et le deuxième a été élu pour 4 ans. De telle sorte que, eh bien, en 2019, le sénateur Sayo, tiers sénat, a pris l'élection ensemble avec les députés et avec Mérium quoi qui prêtait serment tout et en 2016. Donc, ça a fait une élection dans le VIA. Et là, il a pris un amendement. Et constitutionnel, l'amendement constitutionnel là, nous avons dit ouais, et bien comment nous allons régulariser par la suite mandat de l'autre sénateur parce que gen yon kap fini en 2022 et gen yon kap fini en 2023. Ça veut dire que nous avons une élection en 2021, l'autre élection en 2022. Donc, en dans constitution, amendement constitutionnel là, nous capables de faire en sorte que nous faisons des aménagements pour permettre que d'ici 4 à 5 ans, eh bien, tout mandat est tombé dans la même l'heure et puis nous connaissons est-ce que nous avons fait une élection sous chaque 5 ans ou 6 ans et ou bien est-ce que nous avons une question eh bien, et 2 ans et tiers sénat. Voilà, amis téléspectateurs et téléspectatrices de télévision nationale, information à poursuivre, nous déjà arrivé dans un moment pour nous aller dans l'actualité internationale. Pour nous faire qu'on a président français Emmanuel Macron l'ouvrir jeudi mardi dans les pays de la France. Sommet sous climat dans l'idée pour capable de célébrer deuxième anniversaire à accord sur Paris sous climat. Nous avons vite suivi un reportage avec Euronews pour plus de précisions.
Emmanuel Macron inaugure ce mardi à Paris un sommet sur le climat pour célébrer le deuxième anniversaire de l'accord de Paris. Plusieurs dizaines de dirigeants sont attendus dans la capitale française pour donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique. Un sommet auquel n'a pas été convié Donald Trump, puisque les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le climat. Suite à cette décision, le processus de ratification de l'accord de Paris s'est accéléré, a déclaré le président français lors d'un dîner inaugural. De plus en plus de pays ont rejoint le club et beaucoup se sont dit « si un pays a déjà décidé de quitter l'accord, c'est donc qu'il est en danger ». Alors que Donald Trump veut également réduire les fonds pour la recherche, Emmanuel Macron a lui dévoilé les lauréats de Make Our Planet Great Again, un système de bourse pour aider les scientifiques à travailler sur la question du climat. Plus de la moitié sont des chercheurs américains. Toujours dans l'actualité internationale, la NAPER a poursuivi une fois qu'on a plusieurs dizaines de milliers de partisans Hezbollah manifestés hier lundi à Nancy de Beyrouth. Manifestation s'est faite dans l'idée pour capable porter réponse à quelle décision président américain Donald Trump prend pour capable transférer capitale Israël dans Jérusalem qui vient comme capitale officielle Israël. On peut vite suivre un reportage avec Euronews. Des dizaines de milliers de partisans du Hezbollah ont défilé ce lundi dans les rues de la banlieue sud de Beyrouth au cri de « mort à Israël » en réponse à la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme sa capitale. Le leader du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, a déclaré que le Hezbollah se recentrait sur la cause palestinienne et appelé à une stratégie commune sur le terrain. Dans le même temps, les manifestations continuaient dans les territoires palestiniens comme ici en Cisjordanie occupée. Les heurts ont fait 27 blessés palestiniens selon le Croissant Rouge. Mais cinq jours après l'appel à l'intifada lancé par le Hamas, la mobilisation sur place est en perte de vitesse. L'armée israélienne a mené en soirée des frappes et des bombardements contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza qui est contrôlée par le mouvement islamiste. Deux roquettes venaient d'être tirées en direction du territoire israélien, dont une a été interceptée par le système de défense antimissile Iron Dome, selon l'armée. Voilà, c'est avec dernière information ça que journal la Kaba pour jeudi, mais juste avant nous aller n'a pas plus ensemble point de développer pour matin. Président République la Jovenel Moïse Chita Palia hier lundi à Tokayo Français Emmanuel Macron dans le palais Élysée pays la France sur relation entre deux pays dans cadre tournée chef l'État a fait sur continent européen. Ministère éducation nationale avec formation professionnelle présenté document pour expérience pilote nouveau curriculum préscolaire. Ministre travaux publics transport et communication Fritz Kayo présenté travail ministère a réalisé dans pays particulièrement dans cadre des caravanes changement dans occasion 27e conférence le lundi de la presse qui était déroulée hier lundi. Président français Emmanuel Macron l'ouvrit jeudi mardi dans les pays de la France. Sommet sous climat dans l'idée pour célébrer deuxième anniversaire à COP Paris sous climat. Principal absent dans sommet ça, c'est président américain Donald Trump à cause des engagements pays les États-Unis dans COP 21. Nous te contents ensemble avec vous pour nous être capables de porter information pour vous maintenir. Nous souhaitons passer une excellente journée de mardi. Méritez brancher Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la reste programmation. Très bonne journée à tous.